Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui toujours sur des fractions et on va voir en pratique comment faire un produit de fractions, c'est-à-dire une multiplication de fractions. Rappelons-nous de la règle tout d'abord, pour multiplier deux fractions, c'est très simple, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Ça paraît très simple, allons-y. Ici, les numérateurs sont 4 et 7, je vais donc faire 4 fois 7. Et je vais diviser tout ça par 5 fois 6. 4 fois 7, 28. 5 fois 6, 30. J'obtiens 28 trentièmes. Je n'ai pas terminé. L'exercice me demande de mettre la fraction sous forme irréductible, c'est-à-dire de la simplifier au maximum. On remarque que 28 est divisible par 2 et que 30 est divisible par 2. Je divise 28 par 2, j'obtiens 14. Je divise 30 par 2, j'obtiens 15. 15 n'est divisible que par 3 et par 5, alors que 14 n'est divisible que par 2 et par 7. Je ne peux pas simplifier plus. Regardons le deuxième exemple. Dans le deuxième exemple, cette fois-ci, je vais devoir faire 24 fois 72. Mais je n'ai pas de calculatrice. En bas, je vais devoir faire 81 fois 15. Comment faire ceci? Je vais commencer par essayer de décomposer 24, c'est-à-dire d'écrire 24 comme la multiplication de 2.